Les évolutions géopolitiques dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont eu raison du G5 Sahel, la Mauritanie et le Tchad. Seuls à être restés ont annoncé la dissolution de cette organisation qui avait pour objectif d'apporter la stabilité dans la région et lutter contre les groupes armés. Invité de la matinale, Ahmed Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, est revenu sur l'avenir dans cette région. Vous savez, c'était prévisible parce que dès le début du coup d'État au Niger, surtout le dernier coup d'État au Niger, il s'est avéré que les trois entités menacent de quitter la CEDEAO et de créer une sorte d'alliance. Mais je crois, à mon avis, cette nouvelle alliance concerne le G5 Sahel et ne concerne pas la CEDEAO. Il est clair que trois de cinq pays qui quittent le G5 Sahel, cela cause un problème dramatique pour cette coalition qui a été créée pour faire face au terrorisme et en même temps essayer de créer un climat de développement. Et c'est pourquoi le Tchad et la Mauritanie, les deux seuls pays qui restent membres de G5 Sahel, qui n'existe plus d'ailleurs depuis l'avènement du coup d'État au Niger, se sont consultés et ont décidé la dissolution du G5 Sahel. Je peux revenir un peu sur la création du G5 Sahel, que d'aucuns pensent que c'était une erreur, parce qu'on a essayé de débrancher le G5 Sahel de l'espace de la CEDEAO, et surtout en écartant le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, des pays aussi importants qu'on a essayé d'écarter en créant l'espace de G5 Sahel. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur. Au lieu de renforcer la CEDEAO, on a divisé la région en créant le G5 Sahel. Donc, personne, à mon avis, ne peut regretter de la disparition du G5 Sahel, qui a échoué sur le plan sécuritaire et sur le plan développement. Donc, personne ne le regrette. Aujourd'hui, si on arrive à trouver une solution avec les pays qui sont dirigés par l'armée, en l'occurrence le Niger, le Burkina et le Mali, la CEDEAO sortira renforcée. Mais attendons de voir les résultats que les trois chefs d'État de Sierra Leone, du Bénin, du Togo, qui forment la Troïka, attendons de voir quels résultats peuvent-ils avoir du Niger.